bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans une vidéo de critique vidéoludique qui portera aujourd'hui sur Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Donc je suis Pseudoless du Critical Damagix et donc je suis en mode ninja pour vous présenter Naruto Ultimate Ninja Storm 2 qui est sorti en octobre 2010 sur PS3 et Xbox 360 et qui est bien sûr l'adaptation du manga éponyme dessiné par Masashi Kishimoto. Vous savez, le manga qui était devenu hyper populaire avant de devenir hyper chiant et qui passe à peu près 6 fois par jour sur Game One. Donc voilà, c'est Naruto Shippuden Ultimachin 2, ça a été édité par Namco Bandai Games et développé par CyberConnect2. Vous savez, les gens qui vont bientôt faire Asura's Wrath, le jeu qui a l'air aussi joli à regarder que chiant à jouer. Et puis donc, c'est les mecs qui ont fait quasiment que des jeux Naruto et sinon que des jeux Dot Hack. Voilà. Et donc là, vous regardez l'écran et vous vous dites, mais oh mon dieu, mais c'est vachement beau, on dirait l'animé, ça doit être vachement dynamique et vachement bien. Et vous avez presque raison, en effet, c'est plutôt joli. Et plutôt dynamique, mais ce n'est pas du tout fun à jouer. Vous voyez, par exemple, cette phase de shoot là, qu'est-ce qu'elle fout là, de 1, et pourquoi elle est là, de 2, je veux dire, c'est chiant à faire. Ce que vous avez sous les yeux, donc, précisément, c'est le mode histoire de Naruto Ultimachin Truc Shippu Machin Bidule 2. Donc c'est un mode histoire qui retrace plusieurs tomes de Naruto Shippuden, du début de Shippuden à l'attaque du village de Naruto, qui fait, je ne sais pas, je m'en rappelle plus du tout, ça fait longtemps que j'ai lu cette merde. Et donc c'est un magnifique mode histoire qui vous permet de vous déplacer dans des décors fixes, plutôt jolis, et de faire des quêtes. Non, en fait, de faire de la cueillette et de faire des combats, c'est tout en fait. Ah mais attention, parce que dans Naruto Shippuden Bidule Truc 2, il y a deux sortes de combats. Vous avez les combats comme on a vu au début, qui sont vachement bien mis en scène, vachement dynamiques, mais en fait finalement c'est les combats importants de la série, donc en fait on les joue pas vraiment, c'est que des QTE avec des cinématiques, et si on loupe la QTE, bah c'est pas grave, on recommence. Et outre les 5 combats historiques, finalement vous avez les combats comme ça, les combats comme on voit maintenant à l'écran, c'est-à-dire c'est les combats dont le gameplay a été repris sur les volets Ultimate Ninja sur PlayStation 2, mais on a enlevé des trucs, mais on a enlevé la possibilité de ramasser des objets, mais on a enlevé le second plan, mais on a enlevé le côté bourrin, ah non celui-là il est toujours le côté bourrin et brouillon. Donc voilà, c'est des combats pas géniaux, c'est pas hyper dynamique, c'est pas hyper fun à jouer, c'est pas hyper technique ni hyper pratique, l'équilibrage des persos est... Y'a un équilibrage? Ah bon, première nouvelle. Non parce que je suis désolé, un jeu de Naruto où vous avez genre le Naruto mode ermite comme on voit là, ben c'est forcément un jeu où soit il y a des persos qui sont tout pourris et des autres tout pétés, soit tout le monde est pété, comme ça il y a un équilibrage. Donc voilà, ça c'est les combats de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, c'est pas génial, c'est pas dynamique, c'est tout le temps la même chose, on peut bien lancer des bombes et des kunai différents, mais bon voilà, il y a très peu de techniques, quoi. Je veux dire, on est dans un shonen, enfin on est un jeu adapté d'un shonen où tout le monde a des nouvelles techniques tous les 3 tomes, et dans le jeu, bah, il y a 3 techniques par personnage, c'est génial, c'est magnifique. Ah mais je vous avais dit hein, que le mode histoire c'était de la cueillette et des combats, là c'est le mode histoire fini, donc il n'y a plus de combat, il n'y a que de la cueillette. Et la cueillette, ça sert en fait à faire le boulot des marchands. C'est-à-dire que le marchand, il fait « Hey, j'ai des nouveaux trucs !» Enfin, en fait, j'ai des nouveaux trucs si tu me ramènes des nouveaux objets, parce que sinon, je peux pas le faire à ta place, hein. Je suis pas un marchand, quand même. Ah si. Bah, tant pis. J'ai un marchand ninja, moi, je fais rien. Donc, ok, c'est plutôt joli. Ça ressemble bien à l'animé. Il y a des chargements super longs. Enfin, là, ça va, mais les chargements pour les combats, je vous raconte pas comment c'est la merde. Donc, c'est plutôt joli. Les persos sont plutôt bien modélisés, bien animés, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, enfin, ça reste un jeu chiant à jouer. Le mode aventure, là, ce mode-là, là, c'est le pire mode histoire que j'ai fait sur cette génération de machines. Vraiment. Je veux dire, on joue un Naruto, le mec, il a un démon dans son bide, il est capable de faire des super techniques ninja, et finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le mode histoire? On ramasse des caca de pigeons, c'est magnifique. Donc là, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, je pourrais essayer de vous détailler un petit peu le système de combat. Donc, vous avez des matchs 1 contre 1 et vous avez des matchs en équipe. C'est-à-dire que vous pouvez, en plus de votre personnage que vous jouez, assigner deux autres personnages aux petites gâchettes de la manette, ce qui fait que vous pouvez les faire intervenir durant le combat, ce qui fait que c'est encore plus le bordel à l'écran. Mais vraiment, c'est le bordel, il suffit que vous soyez dans le fond de l'écran, la caméra, elle bouge toute seule, elle bouge plutôt mal. Et il suffit que vous soyez dans le fond de l'écran et que le mec il fasse venir ses deux potes, mais vous voyez plus rien, on vous couvre totalement. Alors imaginez, il y a des mecs, ils ont des marionnettes en plus. Donc il y a un mec, il joue avec des marionnettes, il en a deux, il y en a un autre, il joue avec des marionnettes, il en a une, mais ça fait 5 personnages sur l'écran et vous êtes tout seul derrière dans le fond, vous voyez plus rien. Et en plus, des fois même, vous vous rendez compte que finalement, votre personnage, eh ben, il y a eu un bug et il est passé à travers le décor, c'est génial. Et puis vous avez la
la traditionnelle jauge de chakra, la jauge d'énergie, la jauge de ki si on était dans Dragon Ball, enfin dans Naruto c'est presque pareil. Donc la jauge de chakra elle se recharge et elle se consomme quand on fait des super techniques ou quand on dash vers l'avant très très vite ou qu'on fait des esquives ou qu'on permute en remplaçant son corps par un bout de bois. À part ça, bah voilà, c'est tout. Vous avez le système de combat de Naruto Ultimate Ninja Storm 2, autant dire que c'est un peu chiant mais bon voilà. Donc au final, est-ce que Naruto Ultimate Ninja Storm 2 c'est un bon jeu? Eh bien non. Mais par contre, c'est une très très bonne adaptation de Naruto. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous avez un manga médiocre, et bien finalement l'adaptation très réussie est un jeu très médiocre. Alors ok, le jeu est plutôt bien réalisé, plutôt propre, c'est assez efficace, on a les voix japonaises, on a les musiques tirées de l'anime, ça c'est bien, le jeu est assez fidèle finalement. Mais bon voilà, les passages qui sont grave classe, et ben on ne peut pas les jouer, on peut se contenter juste d'appuyer sur des QTE pour gagner des étoiles et ainsi avoir une info secrète qui en fait n'est pas secrète car si on joue au jeu, ben il faut bien s'avouer que c'est qu'on a déjà lu le manga, donc en fait on sait déjà à peu près tout. Et puis à part ça, ben voilà, les autres combats, les vrais, ceux qu'on peut vraiment les jouer, ben ils sont pas terribles, ils sont un peu mous, ils sont un peu chiants, ils sont pas du tout spectaculaires, et le mode aventure est une abomination horrible qui devrait rester dans les entrailles infernales de l'enfer, et que Belzébuth devrait se torcher les fesses avec tellement c'est atroce. Si vous avez toujours détesté Naruto, pas de problème, ce jeu ne changera rien, vous détesterez toujours autant le ninja blond avec son kawaii orange. Mais peut-être que les fans apprécieront ce jeu. En même temps, s'il y a encore des fans de Naruto après le fait que ça soit vraiment devenu de la merde, bah du moment qu'il y ait leur ninja préféré fluo dedans, et ils seront contents. Par contre, si avant vous aimiez Naruto mais que vous trouvez ce jeu particulièrement chiant, en sachant que c'est une très bonne adaptation du manga, bah peut-être qu'il faudra se remettre en question et regarder autre chose, je ne sais pas moi. みじんに砕いて天地に返す悔い改めよ。